Je respire profondément et lentement. Je respire et je me détends. L'air qui pénètre mes narines et qui descend dans mes poumons est une pure et douce caresse d'amour. Chaque inspire et chaque expire sont des vagues d'amour auxquelles je m'abandonne. Je me détends et je me sens en sécurité. Et je me sens en paix. Je respire profondément. Et avec une douceur infinie, je m'adresse à mon corps physique et je lui demande de se détendre. Je lui dis que tout est bien et je lui rends grâce. Je m'adresse à mon corps émotionnel, je lui demande de se détendre. Je lui confirme qu'il est en sécurité et je lui rends grâce. Je m'adresse à mon corps mental. Je lui demande de se détendre. Je lui dis que tout est très bien et je lui rends grâce. Je m'adresse à mon corps éthérique. Je lui demande de se détendre. Je lui dis que tout est parfait et je lui rends grâce. Mes quatre corps sont détendus, en paix et réceptifs. Dans le silence de mon être, je sais que je suis en paix et que cette harmonie est ma vraie protection. Au nom de la toute-puissante et resplendissante présence divine, je suis. J'invoque la présence de Saint-Germain. La présence de Lady Kuan Yin et la présence de tous les êtres de lumière travaillant avec la flamme violette. Instantanément, dans un élan de pur amour et de force, ils se présentent à nous et nous enveloppent de leur magnificence. Je les accueille pleinement et je leur souris. Alors que Saint-Germain pose ses mains au-dessus de ma tête, en un souffle d'amour, il déverse en moi un puissant flot de lumière violette. Cette lumière pénètre le sommet de ma tête et coule dans mon corps physique, telle une extraordinaire fontaine. Elle pénètre mon ADN, chaque cellule, chaque molécule, chaque atome, chaque électron de mon corps et transmute.
transmute tout ce qui n'est pas perfection en perfection. La flamme violette circule avec force et douceur dans mes os, mon squelette, mes organes. Elle coule dans mon cerveau, dans mon cœur, dans mon foie, ma rate, mon estomac, mes reins, mes poumons et mes intestins. Elle coule dans mon système nerveux, dans mon système sanguin et mon système lymphatique. Elle se déverse dans mon système digestif, mon système respiratoire et dans mes glandes endocrines. Puis elle coule sur ma peau, dans mes muscles, sur mon visage, mes oreilles, mon nez, mes yeux, mes lèvres, mes dents. Elle coule dans mon cou, mes épaules, mes bras, mes mains, ma poitrine, mon dos, mon ventre, mon sexe, mes jambes et mes pieds. La flamme violette transmute et danse dans mon corps. Elle libère et dissout toute impureté et toute cristallisation provenant de l'égrégore du manque. Elle libère instantanément tout ce qui dans mon univers matériel et physique ne reflète pas la perfection et l'abondance illimitée. Alors mon corps s'allège et se détend. Il se sent aimé et caressé comme jamais. Il s'expanse. Il régénère. Il rajeunit. Et accueille la perfection et l'abondance au cœur de chaque atome. Alors que la flamme violette coule en mon corps physique, elle circule maintenant dans mon corps mental. Chaque pensée, chaque idée, chaque conviction, chaque concept, chaque croyance, chaque opinion, chaque enfermement, chaque conditionnement qui me sépare de ma divinité et qui ne reflète pas la perfection
l'amour, la pureté et l'abondance, est enveloppée de la flamme violette, puis transmutée, transmutée, transmutée en sa perfection d'origine. La flamme violette danse dans mon corps mental, le libère de toute limitation et de tous les égrégores du manque. Mon corps mental respire à nouveau. Mon corps mental respire à nouveau et s'expanse. Il se sent aimé. Choyé, soulagé, libéré. Sa vibration s'accélère et il peut ainsi exprimer l'intelligence divine et l'abondance illimitée. Alors que la flamme violette coule dans mon corps mental, elle enveloppe maintenant mon corps émotionnel. Chaque émotion issue d'une énergie discordante est encapsulée par la flamme violette, puis instantanément transmutée. La flamme violette transmute chaque peur, chaque colère, chaque frustration, chaque humiliation, chaque blessure, puis chaque souffrance, chaque douleur infligée ou reçue est transmutée. Toute haine, jalousie, envie, moquerie, mépris, dédain, infligés ou reçus, sont transmutés en amour, en joie, en respect, en révérence, en soutien et en solidarité. Chaque sensation de rejet et d'abandon est transmutée. Toutes les peurs liées à l'argent, à la privation, à l'impuissance financière sont transmutées instantanément. Alors mes limitations émotionnelles sont transmutées en émotions pures, sereines et parfaites. Et mon corps émotionnel, baigné de tant d'amour, s'abandonne enfin à une profonde sérénité. Alors que la flamme violette coule dans mon corps émotionnel, elle pénètre maintenant mon corps éthérique. Chaque mémoire, chaque souvenir est balayé, encerclé, transmuté par la flamme violette. Tout blocage, tout traumatisme, toute trace douloureuse et disharmonieuse du passé sont transmutés, transmutés par la flamme violette.
Tout souvenir limitant lié à l'argent est transmuté. Tout abus, trahison, subi ou infligé sont transmutés. Mon passé se libère des archétypes du manque et de la limitation. Mon corps éthérique se met à briller comme jamais auparavant. Il se relâche et respire à nouveau. Il se sent aimé et se transforme. Il accueille et honore le processus qui prend place. Et je respire profondément. La flamme violette circule maintenant dans chacun de mes chakras. Toutes les énergies discordantes ralentissant ces puissants vortex sont transmutées instantanément en perfection. Libérés, ces chakras s'accélèrent et s'intensifient, exprimant ainsi leur plus beau et leur plus haut potentiel. Mes quatre corps et mes chakras sont apaisés, nettoyés, épurés, libérés. Ils respirent de concert. Et il laisse la flamme violette agir aussi longtemps que la loi cosmique le permet. Tout ce que j'ai créé et qui ne reflète pas l'amour, l'harmonie et l'abondance remonte maintenant à la surface pour être transmuté et réintégré en sa perfection d'origine. Chaque situation, chaque événement, chaque relation, chaque expérience discordante que j'ai provoquée, chaque pensée blessante que j'ai projetée est maintenant neutralisée et transmutée afin qu'elle ne puisse me revenir et créer davantage de souffrance. Ce que je demande pour moi, je le demande pour tout ce que j'aime, ma famille, mes proches, mes amis, et je le demande pour chaque homme, pour chaque femme et pour chaque enfant de la planète. Alors que la transmutation me libère et les libère, je prends conscience que je suis un champ de force, d'amour et d'abondance. Je suis la vibration de la flamme violette, bien plus puissante que n'importe quelle création humaine. Je suis la flamme violette
bien plus puissante que n'importe quelle limitation humaine. Et la flamme violette se concentre en mon cœur. Et en un puissant rayon, je la projette maintenant partout dans mon univers. Quoi qu'il en soit, la flamme violette est plus puissante que toute énergie imparfaite qui m'entoure et que j'ai pu créer. Je ressens avec joie que la flamme violette libère tout mon univers. Elle transmute toutes mes expériences et me permet ainsi d'expérimenter maintenant la douceur et la beauté, la force et le courage, l'accomplissement et le succès, la sérénité et la joie, la santé et la vitalité, la jeunesse éternelle et la grâce, l'amour inconditionnel et la révérence pour toute vie, l'harmonie et la paix, le pardon et la liberté, la volonté divine et la puissance d'amour, la pureté et la transformation, l'abondance et la liberté financière, l'illumination et la vérité éclairée, ainsi que la victoire de ma légende personnelle. Je suis lumière. Oh oui, je suis lumière. Je respire profondément. Et au nom de la toute-puissante présence divine, je suis. Je demande à Lady Kuan Yin de me charger de toute sa force de transmutation, de compassion, d'amour et de pardon. Et dans un inspire profond chargé d'amour, je me pardonne, oh oui, je me pardonne d'avoir à certains moments, délibérément ou pas, nuit à certaines personnes. Je me pardonne de les avoir blessés, jugés, condamnés, et que ces énergies discordantes me soit retourné en abondante bénédiction. Je me pardonne, oh oui, je me pardonne, tout le mal, toute la douleur, toute la souffrance et toutes les limitations que je me suis infligées, délibérément ou pas. Et je pardonne. Je pardonne. Oh oui, je pardonne toute personne qui, d'une façon ou d'une autre, délibérément ou non, m'a à un moment donné fait du tort et m'a blessé. Oh flamme violette, je te demande de m'aider à pardonner.
Je te demande de m'aider à aimer et à respecter cette ou ces personnes. Avec l'aide de Lady Kuan Yin, en toute sincérité, je leur pardonne leurs actes et leurs paroles. Et que la puissance d'amour de Lady Kuan Yin les libère du poids du mal qu'elles m'ont fait, car j'en ai profondément souffert et que j'en souffre encore parfois aujourd'hui. Et que Lady Kuan Yin leur retourne ses énergies discordantes en abondantes bénédictions. Avec gratitude, je peux exploser d'amour et de joie, libérée et guérie. Je rends grâce à la force du pardon et que la flamme violette chargée des forces du pardon coule en moi aussi longtemps que la loi cosmique le permet. Et je respire profondément. Chargée de flammes violettes et chargée d'amour, je me concentre en mon cœur. En un inspire, la lumière de chacun s'unit à la lumière de tous, conscient et inconscient. Nos cœurs s'unissent, formant un splendide soleil violet améthyste. Et ensemble, nous inspirons, et dans un expire puissant d'amour, nous projetons la flamme violette au cœur de chaque nation, chaque ville, chaque village, chaque hameau du monde, au cœur de chaque gouvernement et de leurs dirigeants politiques, au cœur de chaque ministère, chaque maire et chaque député, au cœur de tous les partis politiques du monde, au cœur de toutes les religions et de leurs leaders, au cœur de toutes les écoles, les collèges, les lycées et les universités du monde. Que la flamme violette enveloppe tous les enseignants, les professeurs et les étudiants. Nous la projetons en chaque enfant et chaque adolescent du monde. Au cœur de tous les conflits, au cœur de toutes les entreprises et de l'économie du monde, au cœur de tous les médias, au cœur de toutes les associations, les institutions et les ONG, au cœur du monde de l'agriculture, au cœur de chaque famille et de chaque foyer, au cœur de chaque hôpital, clinique, centre de soins et tout le personnel médical. Et nous la projetons dans tous les malades du monde, au cœur de la recherche et de la science,
au cœur de la justice, des tribunaux, des prisons et des prisonniers. Et nous la projetons au cœur des éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Que la flamme violette pénètre la planète, chaque électron la composant et toute vie s'y rattachant. Ô flamme violette, transmute, transmute, transmute toute énergie imparfaite en perfection. Toute énergie imparfaite en pureté, en amour. Et transmute toute énergie discordante en harmonie. Et que la flamme violette agisse aussi longtemps que la loi cosmique le permet. Je suis libre. Nous sommes libres et nous nous transformons. Je respire profondément. Au nom de la toute-puissante présence divine, je suis. J'invoque la douce présence de Marie et la présence de tous les êtres de lumière travaillant avec la puissance d'amour et l'abondance infinie. Alors, instantanément, du cœur de Marie et du cœur de l'univers, un magnifique flot d'amour, de lumière et d'abondance se déverse sans limite dans mes quatre corps, ainsi que dans mes chakras et dans mon ADN. Cette pure énergie comble l'espace laissé libre par la transmutation. Alors, avec humilité, je me remplis d'amour. Je me remplis d'amour. Je me remplis d'amour. J'accueille la lumière. J'accueille la douceur. J'accueille l'abondance et la beauté. Je m'illumine. Et je suis pleine d'amour. Et j'aime. Oh oui, j'aime. Je ressens l'amour circuler en moi. Je me sens bien. Je me sens libre. Je me sens aimée et comblée. Je me sens riche et abondante. Je me sens jeune, légère et pleine de joie. Alors, dans un inspire et un expire, je donne et je reçois. Je donne en abondance et je reçois en abondance, créant en moi et autour de moi une vie pleine de joie, de paix et d'amour. Chargés d'amour, d'abondance et de perfection, nos cœurs s'unissent à nouveau et dans un souffle puissant, nous projetons dans la planète et toute vie s'y rattachant une force d'amour de couleur or rosé. Celle-ci enveloppe la terre et remplit tout l'espace laissé libre par la transmutation.
L'amour et l'abondance enveloppent la terre. L'amour et l'abondance enveloppent la terre et chacun d'entre nous. Le spectacle est grandiose, magique, merveilleux. C'est un temps de paix, un temps de moisson, un temps d'harmonie, de joie et de sérénité. J'accueille le nouveau et j'accueille la divine lumière. Avec humilité et force, je rends grâce à Saint-Germain. Je rends grâce à Marie. Je rends grâce à Lady Kuan Yin. Je rends grâce à tous les êtres de lumière et je rends grâce à ma divine présence. Je sais alors à chaque instant que l'air qui coule dans mes narines et qui descend dans mes poumons est une pure et douce caresse d'amour. Et j'accepte ceci comme étant parfaitement accompli au nom de la toute-puissante présence divine. Je suis et je suis ce que je suis.